Bonjour. Notre société actuelle fait face à plusieurs problèmes socio-économiques. L'un d'entre eux est la pollution de notre merveilleuse planète, due notamment à la surconsommation. Non, pas ce genre de consommation. On parle plutôt de consommation de produits et d'emballage. De nos jours, l'emballage prend une trop grande place par rapport à son produit. Lorsque son usage devient excessif, ceci peut mener à des moments de frustration. Combien de fois ceci vous est-il arrivé? Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les compagnies emballent leurs produits à un point extrême, et ce, car cela nous plaît. Voici d'ailleurs quelques statistiques choquantes, présentées par un expert. Eh bien, selon Recycle Québec, 26% de tous les rebuts que l'on génère sont des emballages. On en recycle une bonne partie, mais pas la totalité. Suffit de jeter un coup d'œil dans notre bac vert pour le constater. Mais on en jette encore beaucoup. 20% du contenu de nos poubelles sont des emballages de produits de toutes sortes. Selon Statistique Canada, chaque Canadien jette environ 1 demi-kilo d'emballage par jour, ce qui équivaut à 180 kg d'emballage par année. Les emballages peuvent représenter jusqu'à 80% du poids final du produit fini. Et jusqu'à 65% de son coût. Ceci est évidemment très choquant. Pour faire votre part, il faudrait acheter des emballages verts et des produits qui sont moins emballés. Après tout, le meilleur emballage est celui qui n'est pas là. Oh! Excusez-moi, mon iPhone est arrivé. Un message du gouvernement du Québec qui vous rappelle de faire des choix sensés lorsque vous achetez des produits emballés.